Des moustiquaires à toutes les fenêtres. Un choix incontournable pour cette maison située à proximité de ce plan d'eau. Ce cas est loin d'être isolé sur le Tarn. Pour l'entreprise venue installer cette protection, la demande a même explosé. Il y a 3-4 ans, on n'en faisait vraiment pas du tout, on ne communiquait pas du tout dessus, on avait très peu de demandes. Donc nous, on doit être facilement à 3 ans, on doit être à 300%, ouais, 300 ou 400% d'augmentation de demandes. Et voici le principal responsable de cette tendance, le moustique tigre. Importé récemment dans l'Hexagone, il est vecteur de maladies comme la dengue ou le chikungunya. Un problème sanitaire, mais pas seulement, il permet aux machines de cette entreprise de tourner à plein régime. Là, je vous présente un de nos modèles. Cet entrepreneur gaillacois est spécialisé dans les moustiquaires. Son chiffre d'affaires atteint aujourd'hui 1 500 000 €, soit 2 fois plus qu'il y a 4 ans. Une aubaine qui permet à ce fabricant d'être l'un des leaders français du secteur. Le moustique a toujours été présent en France et se développe depuis toujours. Mais le moustique tigre apporte des maladies. En apportant des maladies, ce moustique tigre a fait que nous avons parlé de ce moustique. Et qui dit moustique, dit protection, qui dit protection, dit moustiquaire. Un développement qui n'en est qu'à ses tout débuts. Comparé au marché espagnol qui est quasiment saturé, au marché italien qui est pareil, très saturé, où chaque maison a sa moustiquaire, parce que ce n'est pas possible autrement, nous en France, nous avons un retard énorme là-dessus d'implantation. Donc on peut considérer aujourd'hui qu'en France, nous sommes à 0,1% de fenêtres équipées de moustiquaires. L'entreprise tarnaise ne compte pas se faire piquer ses parts de marché. Comme le moustique tigre, ses produits sont aujourd'hui présents à travers toute la France.